Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien en ce jeudi 4 mai. Merci encore et toujours pour vos retours, pour vos merveilleux retours, vos merveilleux messages tout simplement. Merci pour votre confiance également. Et merci, belle âme, Corinne, je crois. Mais je ne sais plus le nom. J'ai publié ton message qui vibrait, mais le jugement, le jugement clairement, et la méchanceté en fait. En fait, tu as été dans le jugement clairement, mais d'une méchanceté. Et c'est vrai que ça m'a rappelé. Tu as fait remonter. Un moment de ma vie face à un membre de ma famille, une belle âme qui fait partie de ma famille. Du coup, l'univers a décidé comme ça, hein, qu'elle ferait partie de ma famille terrestre. Et cette belle âme m'avait, mais vraiment m'avait fait mal en fait, avec un message de 10 mètres de long et en n'ayant aucune réponse, un autre message de un petit peu plus court, mais plus, et puis j'ai bloqué au final. Mais c'était d'une méchanceté. Et tu m'as rappelé ça, en fait. Et c'est génial parce que ça ne me touche plus. Belle âme, ça ne me touche pas. Je sais qui je suis. Je sais ce que je fais quand je fais quelque chose, c'est avec le cœur. Si tu ne le ressens pas, libre à toi d'aller voir une autre belle âme qui fait la même chose que moi. Oui et non. Si tu ne ressens pas l'amour que j'y mets, ton cœur il est fermé. Tu vas pas ressentir l'amour de personne en fait, parce que ce soit moi ou une autre belle âme sur YouTube, de celles que je connais, hein, Maluna, Alésia, Alexia, Lawindo, Laura, enfin il y en a plein que je regarde depuis des années en fait. On est toutes différentes. Mais toutes les mêmes en même temps. Et ce qui fait de nous les mêmes personnes, c'est notre cœur, belle âme. D'accord? On a chacune notre personnalité. Moi, c'est l'exemple que j'ai depuis quelque temps déjà, depuis mon arrivée sur YouTube. Maluna et Alexia. Alexia, c'est le rock, tu vois, ça bouge. Et Maluna, c'est la douceur. Mais je ne dis pas de là que Alexia n'est pas capable de douceur et que Maluna n'est pas capable d'un moment rock. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce qui ressort la plus forte, en tout cas personnalité, enfin, je ne sais pas si on peut dire personnalité pour ça. Bref, Alexia, c'est le rock. Maluna, c'est la douceur. Du coup, ça fait l'équilibre. Et ce qui fait d'elle, malgré leurs différences en fait, le fait qu'elles soient chacune ce qu'elle est en fait, chacune d'elles est ce qu'elle est. Mais ce qui fait d'elles la même personne, c'est le cœur. D'accord? Donc que ce soit, peu importe qui sur YouTube en fait, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis, je n'accepterai jamais qu'on vienne à moi en... Bon, déjà en me jugeant, ben, j'ai envie de te dire libre à toi, ça ne me gêne pas. Continue si tu veux. C'est la blessure d'humiliation, tu as à la guérir. Moi, je pense que à la guérir, à la soigner. On ne guérit jamais totalement, de toute manière, c'est clair. Toujours des petites choses qui vont remonter certains événements de ta vie, qui vont faire remonter des émotions, mais en tout cas de te soigner, de prendre soin de toi. De prendre soin de ton âme, belle âme, qui est blessée et qui fait que aujourd'hui tu mets des mots, un écrit, des mots négatifs sur
la belle âme que je suis, oui, parce que tu es une belle âme, mais je suis moi également une belle âme. J'ai dû voir ma lumière déjà avant de voir celle des autres, en fait. Tant que je voyais pas ma lumière, je pouvais pas voir la lumière des autres. Une chose importante, je sais pas pourquoi, on me dit de... Bah, ça vient dans ma tête, c'est qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, si tu veux, il n'y a pas de hasard. Sachez que je n'accepterai jamais qu'on vienne à moi en dénigrant une autre belle âme qui fait la même chose que moi. Tu viens à moi parce que mes énergies, t'apprécies mes énergies, t'apprécies qui je suis, t'apprécies mon peps, t'apprécies, voilà, mon peps, ma douceur, ma, peu importe de ce que tu vois, t'apprécies mes pleurs peut-être quand tu es énervée. Peu importe, mais en tout cas, ne dénigre, ne rabaisse jamais, en fait, du coup, ne juge jamais devant moi une belle âme qui fait partie de mon monde également. Tu vois, toutes les belles âmes qui font les cartes, qui font, peu importe l'horoscope, le taroscope, ce que tu veux. À partir du moment où les personnes t'offrent du contenu sur YouTube, en fait, et qu'elles le font, qu'elles donnent de l'amour, qu'elles t'apportent une compréhension, qu'elles t'apportent de l'amour également, ne rabaisse jamais, ne dis jamais quoi que ce soit, en fait. Ton avis, c'est ton avis, j'ai pas besoin de le connaître. Donne-moi ton avis, oui, sur moi, si tu veux. Tu vas être dans le jugement, juge. C'est pas grave. C'est une couche en plus de souffrance pour toi. Et moi, tu me prouves que, pouh, j'en suis libérée, en fait, tu vois, de ça. Tu as le droit, oui. Je sais que tu n'es pas guérie. La méchanceté, en fait. Tu vois, quand c'est donner ton avis, mais avec de la méchanceté, quand ça a une vibration de méchanceté. C'est comment encore rep, je sais même plus, une belle âme qui a dit, qui a la manière que je parle, en fait, c'est comme si que j'avais été à l'école de, je sais plus, rep bien sûr, mais voilà, j'ai regardé, je savais pas c'était qui, j'ai dû entendre des choses, mais j'avais jamais vu le bonhomme, en fait, hein, le monsieur. Et ça m'a fait rire, mais j'ai senti que la personne, c'était vraiment... Ouais, le message n'était pas le même, la vibration n'était pas la même. D'autres personnes auraient pu prendre mal. Non, moi ça m'a fait rire. Mais est-ce que maintenant, même si tu veux chercher à me faire du mal, est-ce que tu vas y arriver? Peut-être. Peut-être, parce que comme je dis, nous ne sommes jamais totalement guéris. Mais en tout cas, ça aura moins d'impact sur moi, moins d'impact négatif, d'accord? Pour baisser, en fait, mes vibrations. Enfin, voilà, je n'accepterai pas de comparaison, en fait. Nous sommes toutes différentes, mais ce que nous offrons, c'est la même chose, ça vient de là. J'espère que mon message a été bien passé. Je ne sais pas pourquoi, on me dit de répéter. Donc, voilà, belle âme. Allez, c'est parti. On y va. Donc, au bout de presque 10 minutes, 9. Alors, tarot, bim, Illuminati pour l'énergie. Je ne sais pas si tu vois bien. C'est gris, c'est gris, tout gris. Il pleut, il y a du vent. Il faisait froid, mais là, j'ai pas froid. J'ai pas ouvert, comme tu peux le voir, de l'autre côté. Donc, il n'y a pas ce courant d'air glacé. Parce qu'il y a du vent quand même. Là, ça fait du bien. Alors, pour le court-métrage de ce jeudi 4 mai. Voilà, tu vois. Tu entends. Tu sais qu'il y a du vent quand tu entends mon carillon. Alors, pour le court-métrage, pour le joyeux anniversaire. Donc, pour le court-métrage L'Oracle Manuscrit, pour le joyeux anniversaire, sérieux mes guides, le tarot de l'animal totem, et pour le trois choix, message des guides.
J'embrasse d'ailleurs, Maluna, Alexia, tout le monde, toutes les belles âmes qui offrent avec leur cœur, avec amour, sur YouTube. Et peu importe où, mais bon, j'y suis pas ailleurs. Alors, d'ailleurs, il faudrait que je fasse un compte avec mon petit Facebook pour les messages en musique. Mais mon Dieu, je vais réussir à trouver mon rythme, belle âme. T'inquiète. Allez, pour le 3 choix, on a l'oracle d'Isa, chakra du cœur. Ok. Donc, le cœur, l'amour pour le message des guides. L'amour, belle âme, reste centré sur ton cœur. Alors, donne-toi de l'amour, aime-toi. D'accord? Te juge pas pour arrêter, pour ne plus juger les autres. Ne sois pas dans. C'est parce que tu te juges toi-même. Ou alors tu as été jugé, forcément. Tu as été humilié. Alors, tarot Illuminati. Non. Oui, c'est ça. Le tarot Illuminati pour l'énergie. Donc, c'est celui-ci. L'oracle, le manuscrit. C'est celui-ci pour le court-métrage. Le tarot de l'animal totem, il est ici. Ben, c'est celui que j'ai utilisé pour le mois de mai. Et l'oracle d'Isa, chakra du cœur, belle âme. Ah là là, dans l'amour. Fais-le vibrer, oh l'amour, ton cœur. Il faut qu'il vibre l'amour, il faut que tu ressentes l'amour. Mais merci, belle âme Corinne. Tu m'as fait me rendre compte que voilà quoi, je suis fière de moi. C'est pas une vidéo pour crier, pour pleurer, tu m'énerves. Non. Bah je t'aime. Je t'envoie de l'amour. Belle âme souffrante. Elle va pas m'écrire que j'ai pas le droit de dire que t'es en souffrance. Allez, on y va, l'énergie pour ce jeudi 4 mai, belle âme. Oui, belle âme. Mais dites, s'il vous plaît. Alors, l'énergie pour ce jeudi 4 mai. Oui, bah d'ailleurs, tu vois ce qu'il faut que je fasse. J'écris jeudi 4 mai, tu vois. Et avant d'écrire, ouais, c'est moi. Je prends mon feutre et je fais « Ah, on est mercredi 4 mai aujourd'hui. J'étais contente, j'avais le 4. » Mais je me suis trompée, c'était pas mercredi. Mercredi, c'était hier. Et du coup, je vérifie. Ah, zut, je suis en retard d'un jour. Alors, se soigner, belle âme. Tu vois, c'est... se soigner les autres peut-être aussi. Alors, ah, il n'est pas dans l'ordre là, je crois, lui. D'accord, il est là. Pas dans le même ordre. Ah, ah voilà, l'énergie. Guérison, guérir les blessures émotionnelles. Compassion active. Soigner les autres, figure paternelle, activité émotionnelle, colère, sentiments chaleureux, maîtrise des émotions, pureté des sentiments, une personne profondément spirituelle et aimante, un guide et thérapeute, une personne aimante et pacifique, aux valeurs familiales fortes. J'apporte l'activité et la maîtrise. Ce roi de coupe. J'apporte l'activité et la maîtrise aux vagues. Je les anime et crée des turbulences. Je fais clapoter la pluie et réchauffe les printemps. Je fais bouillir l'eau pour la purifier.
et s'élever la vapeur. C'est par l'action et non la passivité que l'eau atteint ses qualités les plus puissantes, la guérison et la compassion. Quand les émotions et les sentiments sont passifs, ils ne peuvent s'exprimer positivement dans le monde. Cependant, lorsque ces choses sont actives, l'émotion peut s'accroître et les larmes du du bodhisattva deviennent une envie d'aider les autres. Mon pouvoir est celui de la compassion active, celui qui voit la douleur et la souffrance pour les soulager, qui pense les blessures et guide les âmes égarées dans les périodes difficiles. J'ai trouvé le Saint Graal, maîtriser tous les aspects du monde des émotions, et je n'ai plus rien à faire sinon transmettre ce que j'ai appris. Et voilà, ça c'est Alexia, ma Luna. Ben moi je vais me mettre dedans aussi, on est d'accord, et toutes les autres belles âmes sur YouTube. Tu vois, et toi également, belle âme, mais je pensais à Corinne, tu vois, vu qu'on a commencé avec elle. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Avec le manuscrit, on va voir le court métrage. Pour ce jeudi 4 mai, s'il vous plaît, mes guides. La force, oui, oh mon Dieu, merci mes guides. Alors, on me parle d'une force que tu vas peut-être, c'est comme si que tu allais être reboosté, on me dit, parce qu'il y a des échanges qui viennent. Il y a comme des échanges qui vont rééquilibrer quelque chose, des échanges qui vont soigner, hein, des échanges avec, ouais, mais l'homme, il y est dedans, on parle, ouais, peut-être avec un homme, mais des échanges qui vont t'apaiser, qui vont faire que tu ne vas plus, tu vois, tourner la tête à droite, à gauche, vite, là, c'est comme si tu cherches quelque chose, tu vois, c'est l'image-là qu'on m'envoie. Tu cherches, il y a eu une foule et puis zut, t'as perdu quelque chose ou quelqu'un, tu vois. Et là, il y a vraiment des échanges qui vont faire que tu vas, ça va t'apaiser. Tu vas retrouver du peps, une force. Pour certaines personnes... Ah, ok, merci. Oui, bon, la carte, décès, méfiance, surprise. C'est comme si que, pour moi, c'est quelque chose qui revient, belle âme, parce que tu vas te méfier ici. C'est une mort, quelque chose a pris fin, mais pour mieux reprendre. Quelque chose avait pris fin, mais pour mieux, tu vois. Trouver cet élan pour s'élancer, justement, pour pouvoir retrouver du peps, retrouver une force. Pour retrouver une force, l'envie, le désir peut-être, il a fallu mettre fin pour renaître, pour une renaissance. Tu vas te méfier, alors qu'on te parle ici, tu vas te méfier d'une surprise, peut-être de ces échanges, ces communications qui arrivent. Tu vas te poser énormément de questions ici. Tu vas te méfier. C'est parce que tu vas te méfier par rapport à ce qui a pris... Parce que ça avait pris fin, en fait. D'accord? Quelque chose qui avait pris fin. Justice.
Attends, j'ai séparation. Ouais. Quelqu'un qui a quelque chose qui a pris fin pour un renouveau. Et pourquoi ça avait pris fin? Peut-être par rapport aux papiers de voilà, hein, des papiers de l'ordre du divorce. Hein. On est oui, tribunaux, tout ça, un papier juridique. Merci, mes guides. Ouh là là. Et en fait. Ouais, il y avait un danger en fait qu'il fallait écarter et ça concernait une séparation. On me dit un divorce. Hein. On me parle d'un divorce, madame. Ou bon, pour certaines personnes, ça peut être séparation, mais c'est vrai que j'ai fortement le divorce ici. Il fallait s'occuper d'un divorce en fait. Oui, trahison. Il y a eu trahison. Il y a eu trahison parce qu'il y avait peut-être une énergie tierce, quelque chose qui faisait blocage en tout cas, ou alors une personne, quelque chose ou quelqu'un qui faisait blocage. Et en fait, on te dit, tu vas retrouver des forces. Va retrouver un peps, un dynamisme face à une personne qui t'a fait du mal. Ouais, bah, trahison, hein, comme on dit. Il y a eu trahison ici. Hein. Des trahisons desquelles tu es déjà guéri, toi. Mais c'est comme si que ouais, ça allait faire remonter. Le retour d'une personne va faire remonter cette trahison, en fait. Ah bah oui, le décès, la mort pour une renaissance. Mais cette mort, c'est parce qu'il y a eu faim que tu vas te méfier ici. Pourtant, on te dit, hein, faites, soutien. On te parle de on redonne des couleurs, j'entends. On redonne des couleurs et c'est une personne qui va être d'un grand soutien ou tu vas avoir du soutien ici, hein, d'une personne ou... Attention à l'argent, belle âme. Oui, mes guides, merci. Attention aux financiers. Alors, choper. Ouais. On me parle de justice pour un homme, en fait. Il y a eu justice avec un homme. On peut me parler également, voilà. Hein, justice. Il y a un homme qui gagne. Ah ben, c'est pas possible. Par rapport à une justice, on parle d'un homme qui fête quelque chose ici. Hein. Il y a des fêtes parce que... Cet homme, il a des nouvelles des nouvelles juridiques, des nouvelles du tribunal. Hein. J'aime pas te... Enfin, je... Voilà, t'as compris. Donc, ça peut concerner effectivement ce divorce ou autre chose. Hein. Toi, tu prends comme ça résonne, belle âme. Tu te fais confiance, surtout. C'est parce qu'une personne t'a déjà poignardé. Ouais, il y a un poignard dans ouais, un poignard. On t'a poignardé, ce qui fait que tu vas être méfiant, méfiante par rapport à un homme. D'accord? Alors, rencontre. Travail. Famille, fête. Tu sais, je vais terminer mon tableau. Argent, voyage. Par rapport à une rencontre, on te parle du financier. On te parle d'un voyage, en fait. De peut-être, ouais, voilà. On te disait attention à tes finances tout à l'heure.
Peut-être que il y a au niveau finance, ça va poser problème par rapport à un voyage, un déplacement. Je vais mettre la dernière, belle âme, et ensuite le destin. Alors, suite à des papiers juridiques, de la justice, il y a un homme qui t'apporte la clé ici. La réussite, la clé de la réussite ici. Hein. Et c'est un homme qui va être d'un grand soutien pour toi. Une énergie masculine qui va être d'un grand soutien. Il y a écrit homme sur la carte, mes yeux sont dessus. Énergie masculine, voilà. Qui va être d'un grand soutien ici. Ok? Danger, protection, c'est ça même. Au niveau professionnel, au niveau du travail, tu as le décès, donc la fin, la mort. Pour ne pas que quelque chose. Il y a comme une renaissance en fait, j'entends. Mais par contre, il faut te méfier au niveau professionnel. Parce que il y a danger ici. Il y a des dangers. On te dit de te protéger. Je ressentais le truc. Hein. On part vraiment par rapport à une rencontre qui a. Alors. Une rencontre qui n'a pas été au bon moment, en fait. C'était pas le bon moment, j'entends. Et du coup, ce qui fait que sur cette rencontre. Attends. Les choses vont s'équilibrer. D'accord? Il y a vraiment une guérison en fait pour un nouveau départ. On redémarre ici. Ouais, il y a une énergie masculine ici par rapport à une séparation qui ça a joué sur sa santé en fait. Par rapport à des papiers en lien avec une séparation. Ça a joué sur sa santé. Ouais. Méfiance, méfiance par rapport à une dualité, la dualité, une dualité avec une énergie féminine, belle âme. Dans le domaine professionnel, attention, ok? Alors, ouais. C'est par rapport au domaine professionnel, c'est en lien avec la famille ici. Il y a de la famille qui cherche à qui la famille le côté familial pose problème en fait. Ça crée des ennuis ici pour ton domaine professionnel. Attention, protège-toi, fais ta bulle de protection, belle âme. Et le choix des émotions, c'est toi qui décides ce regain, cette force. On te dit, sois forte. Tu vas retrouver des forces pour moi hein, par rapport à un poignard dans le dos, le poignard d'une personne que tu as rencontrée. Mais on te dit, pour faire un choix, on te dit d'être à l'écoute de ton émotionnel. Vois, alors, face à cette personne, quand cette personne est devant toi, quelle émotion se réveille? D'accord? Quelle émotion réveille cette personne en toi? Et bah, travaille dessus. On est sur la guérison émotionnelle, Balam. D'accord? Alors, méfiance. C'est au centre du tirage quand même, hein? Méfiance, Balam. Peut-être que tu es méfiant, méfiante, d'accord? Donc voilà. Ou alors tu dois l'être. Fais un peu plus attention en fait. Méfie-toi. Ouais, mais moi, on me dit que tu te protèges. Bah, tu vois, comme quoi les guides, ils nous envoient pas toujours le même message. On te dit, pour moi, tu te protèges parce que pour moi, tu es ce cactus. On m'envoie, bon, tu es ce cactus. Visualise-toi en cactus. Et tu as des épines, en fait, d'accord? Parce que tu as des cactus qui n'ont pas d'épines, on est d'accord? Je crois, oui. Et en fait, toi, tu as des épines. Toi, tu es méfiant, méfiante en fait. Ok, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, voilà. Tu es méfiant, méfiante. On te dit que tu as la force. Tu ne doutes pas de toi.
Tu as de la force, tu es fort, forte, tu es courageux, courageuse, hein, tu es tout ça là. Tu as de la force, tu peux, en fait, j'entends. Tu peux aller vers ta destinée, tu peux créer ce que tu souhaites. Et on me dit que peut-être tu as la clé par rapport à une situation dans laquelle tu sens que tu dois te méfier ou peu importe, tu as les solutions, tu as la clé, d'accord? Alors, tu as la clé concernant l'équilibre, le juste équilibre d'une rencontre. Une rencontre avec une personne qui te renforce, qui te donne de la force ici, d'accord? Ou face à qui tu dois faire preuve de force. Une rencontre qui avait peut-être un lien qui avait peut-être pris fin parce qu'il y avait un travail à effectuer sur toi. La personne avait un travail à effectuer sur elle. Ou alors, tu avais des choses à régler. Cette personne avait des choses à régler, d'accord? Pour retrouver, se soigner en fait. Soigner sa part masculine. Ou voilà, la guérison d'une énergie masculine, d'un homme. Belle âme, voilà pour le général. On a quand même la réussite, hein, d'accord? Donc, et du soutien en plus, d'accord? Voilà, j'espère que ça a résonné pour toi, belle âme, que ça t'a plu. On y va? Joyeux anniversaire, belle âme. Waouh, l'amour, deux bâtons, bim! L'amour et le 2 de bâton. On y va, belle âme. Joyeux anniversaire en ce jour. Donc, jeudi 4 mai, ce jour qui est le tien. Pense à penser très fort. Pense à penser très fort à Virginie si tu bois ta petite coupe de champagne pour que je puisse avoir des bulles dans ma tête. Allez, c'est parti. Pour toi, belle âme qui fête ton anniversaire aujourd'hui, s'il vous plaît, Mélise, quel est le message? Donc, cavalier d'épée. Oh là là, cavalier d'épée et cavalier de pentacle. Deux cavaliers, avec le chariot quand même. Alors, belle âme, alors, cavalier, bâton, épée, c'est où? Je dois admettre que j'adore l'idée d'une grande aventure. Le problème, c'est qu'une fois sur place, je n'ai jamais envie d'y rester très longtemps. Cet esprit aventureux est à la fois une bénédiction et une malédiction. J'aime l'excitation du voyage, mais la destination elle-même ne m'intéresse pas tellement. Heureusement pour moi, je change rapidement de cap et je suis constamment rappelée à mon nid afin de protéger et de servir les miens. Et voilà, belle âme. Pour ton anniversaire, j'espère que ça a résonné ce petit message, qu'il t'aidera, qu'il résonne fortement ou pas, mais qu'il t'aidera en tout cas. C'est le plus important. Donc, encore une fois, un merveilleux jour pour toi,
pour fêter ton anniversaire. C'est un peu buggé dans ma bouche là. Alors, on y va. Le trois choix, belle âme. Le trois choix. Bah écoute, tu vois. Trois cartes, trois cartes, trois cartes. On y va. Premier choix, deuxième choix et troisième choix, s'il vous plaît, mes guides. Donc, sur le chakra du cœur, l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Premier, deuxième, troisième. Première belle âme, trois cartes pour la première belle âme, s'il vous plaît. Une, deux et trois. Merci. Trois cartes pour la deuxième belle âme. Hopé, ok. Une, deux. Et trois. Et trois cartes pour la troisième belle âme. Oula, oulala, c'était beau ça. Je sais pas si t'as vu. Une, deux. Et trois. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Alors, on nous dit à tous, on vous dit à tous, à toutes, belle âme. Oui, à toutes. à toutes et à tous. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. D'accord. Donc, on va voir avec. Oui, parce qu'il y a l'extension, d'accord, que j'utilise en conclusion, du coup. Donc, conclusion pour la première, deuxième et troisième belle âme. S'il vous plaît, mes guides. Première. Oui, je peux. Première belle âme, la conclusion pour la première belle âme. Conclusion pour la deuxième belle âme et conclusion pour la troisième belle âme. Merci. Merci. Douleur émotionnelle et blessure d'humiliation. Belle âme Corinne, si tu es là encore au bout de la vidéo, là, blessure d'humiliation à guérir, bien évidemment. Te guérir, je te souhaite, en tout cas. Et on y va, belle âme, premier choix. L'enfant n'écoute pas les autres. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Ouais, n'écoute pas ceux qui te disent que tu n'es pas prêt ou pas prête en fait pour un nouveau départ. Vas-y, on me l'envoie direct ton message, tu vois. Alors, ici, pour toi, ma boule, ma boule, elle est ma boule. Oh mon Dieu. Alors, tu sais, pour toi, c'est comme si, on m'envoie, c'est comme si que tu avais envie de... Alors, est-ce que c'est quelque chose du passé? Est-ce que c'est quelque chose qui appartient au passé ou pas? Et en fait, pour pouvoir revenir peut-être sur un choix que tu as fait, d'accord? C'est comme si que tu changes de, voilà, tu changes d'avis, tu changes de, tu veux autre chose, en fait. Et on te dit de ne pas écouter. Toutes ces personnes qui te disent que tu n'es pas prêt ou pas prête. De peut-être construire ton nid ailleurs, de peut-être déménager, de peut-être voilà, t'émanciper de tes parents, t'émanciper du lieu de vie, hein, je veux dire si tu vis encore chez tes parents, et puis voilà, d'aller ailleurs, de te construire toi en fait. Ok? Alors, fuite karmique, on te dit, belle âme, fuite karmique, le karma. Donc, on te dit, du coup, tu peux être actuellement dans une relation très intense
où tu as été marqué par cette relation dans le passé. C'est une relation dans laquelle les sentiments sont ou ont été très forts et où la relation est ou était passionnée. C'est une relation très puissante qui a perturbé l'ensemble des domaines de ta vie. C'est une relation qui peut être encore présente dans ta vie. Une partie de toi sait que c'est une relation karmique et tu peux être concentré uniquement sur cette information. Tu peux avoir des difficultés à lâcher prise ou à prendre du recul car cette relation est karmique. Tu peux accepter les événements. Tu peux accepter des événements, des réactions, des paroles, car c'est une relation karmique. Tu peux être dans l'attente, dans la solitude, dans la douleur, dans la souffrance, car c'est une relation karmique. Même si votre lien est karmique, tu as ton libre arbitre. Tu as le droit de dire non, je ne souhaite pas Non, je ne souhaite pas et je ne mérite pas cela. Stop, j'arrête la relation car elle ne convient pas à mes besoins. Cette relation apporte plus de négatif que de positif, donc je préfère prendre mes distances. Une relation karmique n'apporte pas l'énergie de fatalité et tu n'es pas obligé de rester dans une relation qui ne te convient pas. Prends du recul par rapport à cette relation, accueille tes besoins et mets-les en avant. Cela va te permettre de créer de nouvelles bases sincères et solides avec toi pour les partager avec les autres. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi. Deuxième belle âme, deuxième choix. Rencontre par synchronicité. Concrétisation des projets. Et rencontre lors d'une sortie. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que tu as tout compris. Tu vas rencontrer quelqu'un. C'est comme si que, voilà, c'est relation fuite karmique, relation karmique. Et bim, quand c'est le bon moment, enfin c'était pour le premier choix ça, hein, fuite karmique. Et quand c'est le bon moment, eh ben, les rencontres se font par synchronicité. Forcément, d'accord? Donc, une rencontre par synchronicité pour une concrétisation des projets. Et on te dit que tu vas revoir cette personne, revoir une personne ou voir une personne, peu importe. En tout cas, si tu attends la bonne relation, sache que par synchronicité, voilà, tout simplement. Et il va y avoir une concrétisation des projets. Peut-être que c'est ce que tu souhaites, toi. D'accord? Tu souhaites une relation stable, durable. Donc, on te parle bien et que tu souhaites construire, en fait, hein. Donc, il y a une concrétisation des projets. Et on te dit que cette personne, tu vas la rencontrer lors d'une sortie. On te parle du week-end prochain, au cas où. OK? Le week-end prochain, et puis rencontre par synchronicité, c'est la semaine prochaine. D'accord? Donc, week-end prochain. Et on te dit concrétisation des projets le mois prochain. Ça va très vite. Ça va très très vite. Je pense que c'est quelqu'un que tu connais déjà. Alors, instant présent, on te dit chakra du cœur. Chakra racine, pardon. Instant présent. Que te disent tes guides? L'instant présent est ton meilleur allié pour construire la relation que tu souhaites. Ouais, pourquoi une rencontre? Parce que tu vis l'instant présent, toi, belle âme. L'instant présent est ton meilleur ami pour construire sur le long terme. L'instant présent est ton conseiller pour vivre des synchronicités positives. D'accord? Rencontre par synchronicité. C'est en étant dans l'instant présent que tu t'ancres et que tu crées des bases relationnelles solides. Tu es invité à créer un équilibre entre la visualisation de tes projets personnels et l'instant présent. En étant là,
ici et maintenant, tu es dans l'énergie de partage et dans l'amour avec toi et avec l'autre. En étant dans l'instant présent, tu accueilles tes émotions et celles de l'autre avec d'une nouvelle façon. En étant dans l'instant présent, tu es dans l'honnêteté et dans la sincérité la plus totale. Parfois, tu peux être trop occupé. Peut-être que tu es beaucoup occupé en ce moment. C'est pas du tout ça qu'on te dit. Parfois, tu peux être trop connecté au passé et le projeter dans ta vie extérieure. Parfois, tu peux être trop focalisé sur les projets que tu veux construire et oublier de vivre le moment présent. En profitant de chaque instant avec toi-même et avec l'autre, tu avances d'une nouvelle façon. Tu accueilles la douceur. Tu accueilles la spontanéité. Tu accueilles le bonheur. L'instant présent est ton guide pour vivre, pour expérimenter, pour sourire, pour aimer et pour être dans la joie et dans le bonheur. C'est un bel âme du deuxième choix, c'est merveilleux. J'espère que ça a résonné pour toi. Troisième belle âme, troisième choix. On y va. Déménagement, changement de ville. Ça suit un peu quand même. Alors, déménagement, changement de ville. Homme, femme, blonde, comme c'est pas. Bon, une petite précision pour certaines personnes, mais voilà, c'est pas très important moi, pour moi, la couleur de cheveux. Donc, on te parle bien d'une personne ici, d'accord? Ouh là là, éloigne-toi. Alors. Alors, on peut me parler d'un déménagement, d'un changement de ville avec une personne avec qui il y avait un éloignement ou de qui tu t'étais éloigné ici. D'accord? Peut-être. Ok. Alors, toi, on me le met en pyramide également. Peut-être que pour un déménagement, un changement de ville, enfin peut-être par rapport à ce déménagement avec une personne, blonde ou peu importe, rousse, comme tu veux, et tu vas devoir t'éloigner. C'est comme si tu vas devoir aller au loin. Donc, quitter la métropole pour venir à La Réunion, peut-être, d'accord? Ou quelqu'un qui est à La Réunion, voilà. C'est vraiment quitter, prendre l'avion, en fait, c'est ça. Merci. Ou c'est prendre l'avion. Donc, c'est pas tout près, en fait. C'est vraiment totalement changé. En fait, c'est très, très loin de là où tu es. C'est vraiment très, très loin de là où tu es. C'est vraiment ce que j'ai. Relation sauveur-sauvé. Alors. Alors, belle âme, on te dit. Tu peux être dans une relation sauveur-sauvé, c'est-à-dire une relation où tu donnes le maximum de toi-même pour aider et pour sauver l'autre. Tu t'en rends compte car tu n'es pas à l'écoute de tes besoins et de tes attentes dans cette relation. Toutes tes pensées sont concentrées sur l'autre et tes actions également. Cela peut être un schéma qui se répète pour toutes tes relations, comme cela peut concerner une seule relation. Tu t'adaptes en permanence à l'autre et tu souhaites lui donner toutes tes capacités pour qu'elle puisse se relever et pour qu'elle s'ouvre au bonheur. Bah dis donc, hein, la gorge. En te concernant, ils se sont trompés là, c'est eux qui se sont trompés. En te concentrant sur le bonheur de l'autre, tu oublies le tien. En te concentrant sur l'amour de l'autre, tu t'oublies toi-même. Dans ce type de relation, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va et tu te sens alors désemparé,
car tu as tellement donné que tu es épuisé et lassé. Soit tu es actuellement dans ce genre de relation, soit tu as encore des cicatrices relationnelles. Prends conscience de ce schéma relationnel pour comprendre son enseignement et pour être dans une énergie de nouveau départ. Quand tu crées ce genre de relation, c'est ta façon de t'aider, de travailler sur toi et d'être dans une libération émotionnelle. Tu n'oses pas le faire par toi-même, alors tu le projettes sur l'autre. Fais-toi la promesse que tout ce que tu apportes à l'autre, tu te l'offres en premier à toi-même. En étant dans cette énergie, tu crées de nouvelles bases et de nouvelles relations positives et épanouissantes. Donc, soit c'est vraiment un schéma que tu clôtures ça, d'accord, et du coup il y a vraiment ce déménagement avec une personne et du coup c'est quelque chose, voilà, un déménagement très très loin comme je dis, ou alors pour certaines personnes on te dit un déménagement, un changement de ville par rapport à un homme, une femme de qui tu dois t'éloigner ici, hein? Tu dois, mon Dieu. Tu fais ce que tu veux, belle âme, on est d'accord. Mais en tout cas, si ça te parle, c'est que tu le vis vraiment. Et si ça te parle, c'est que ben, tu y penses déjà, en fait. D'accord ? C'est ce que, les messages que tu reçois, c'est une confirmation de ce que tu ressens. Donc, tu prends vraiment comme ça résonne. Va pas te dire, Virginie, elle t'a dit, hey, va pas voir ton mec ou ta meuf et tu vas lui dire, Vivi, elle m'a dit, il faut que je déménage et que j'aille loin de toi. Non, surtout pas, d'accord ? Fais attention à la relation sauveur-sauvé, ne t'oublie pas, d'accord ? Mais voilà, en fait, chaque message que tu reçois, donc chaque jour, dis-toi que, comme je dis, va pas t'inventer une vie avec ce que je dis. D'accord ? Si ça résonne pas, ça résonne pas. Si ça résonne, c'est une confirmation. C'est pour confirmer ce que tu ressens déjà, en fait. D'accord ? Que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. D'accord ? Encore une fois, chez Alexia ou Maluna ou plein d'autres. D'accord ? C'est une confirmation de ce que tu ressens déjà. D'accord ? Donc voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera également, d'accord ? Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée en ce jeudi, hein, jeudi 4 mai. On se retrouve donc tout à l'heure pour les énergies de la lune, hein, la pleine lune en scorpion. Qui m'a empêché de dormir hier soir, mais je me rends compte que j'ai la patate, donc c'est chouette. À tout à l'heure, belle âme. Mille bisous, merveilleuse journée, et bien évidemment, tout de suite. Maintenant, je t'envoie tout mon amour. Bye bye.